Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah et que sa grâce, son salut, sa miséricorde et ses bénédictions soient accordées à notre cher prophète et messager, notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes chères sœurs, mes chers frères, qu'est-ce que ça veut dire le mot Ar-Rahma, miséricorde? Ar-Rahma, au sens linguistique, en arabe, veut dire la douceur, la tendresse, la gentillesse et la compassion. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qu'Allah l'agrée, disait à propos des deux noms d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il disait, ce sont deux noms sublimes d'Allah, emplis de douceur, de tendresse, de clémence et de bonté. L'étymologie du mot Ar-Rahma vient du mot utérus, Ar-Rahim, qui veut dire utérus, ou matrice, d'où le sens de l'amour expansif, du sacrifice, le sens de la protection, de l'affection et de la tendresse. Dans le Coran, la signification du mot « Rahma » varie en fonction de l'usage qui en est fait. Ainsi, « Rahma » prend le sens de l'affection dans la sourate 30, verset 21. Allah Azza wa Jal dit « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمُ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » Le sens du verset « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous vivez en tranquillité avec elles. Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. » Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. La santé et le bien-être aussi est le sens et l'un des sens de Rahma dans la sourate 17, verset 82. Allah Azza wa Jal dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Il prend aussi le sens du pouvoir et des largesses. Sourate 12, verset 56. Allah Azza wa Jal dit « وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ. » Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Yusuf, de Joseph, sur le territoire, et il s'y installait là où il le voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons. Elle prend aussi le sens même de l'islam, comme dans le verset 8 du sourate 42. Allah dit « وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ » Et si Allah avait voulu, il en aurait fait une seule communauté. Mais il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde. Et dans la sourate 3, verset 107, Al-Rahma, la miséricorde, veut dire le paradis. Allah Azza wa Jal dit وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséricorde d'Allah, où ils demeureront éternellement. Et prend aussi le sens de la prophétie dans la sourate Marie, la sourate 19, verset 50. Allah, parlant de Ishaq et de Yaqub,
d'Isaac et de Jacob et de leur descendance, dit « وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا » Et nous leur donnâmes de par notre miséricorde et nous leur accordâmes un langage sublime de vérité. Aussi, on trouve la rahma comme synonyme du Coran même. Sourate 6, verset 157. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ Voilà certes que vous sont venus de la part de votre Seigneur preuve guidée et miséricorde. Donc, le sens de Rahma, qu'on parle de Rahma, on parle de ces magnifiques valeurs d'amour, de douceur, de tendresse, de gentillesse et de bonté. Enfin, sachez que l'une des puissantes sourates dans le Coran porte le nom de Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Le prochain épisode, Inch'Allah, aura comme titre « Le Coran et la guerre ». Ça sera l'occasion de réfuter les allégations des ignorants et de mettre la lumière sur ce sujet qui demeure très mal compris. Au plaisir de se retrouver dans le prochain épisode, Inch'Allah, je vous souhaite des moments pleins d'amour, de sourire, de bonté et de miséricorde. Wa sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alameen.